Half-Life Opposing Force, re tout le monde, la VOD est lancée, la capture est là. Le jeu se lance, je ne sais pas dans quelle résolution. Regardez-moi ce menu digne de 2019. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être bien. Alors, audio, j'avais encore baissé, je crois. Volume CPMH. Alors, vidéo. Allow custom add-on content, c'est ça? Enable HD model if any available. Oula. Vidéo. 2K. Y a même pas de mode avancé, hein. Y a même pas de. Augmenter le gain du micro. Bah non. Verrouiller. Multijoueur. À utiliser des modèles de haute qualité, bien sûr. Ah, y a des zombies. CL Suite. CTF. Scientist. Oh là là là, que des. On va mettre moyen. Opposing a force. Ok, Ghost 7. Rendez-vous au secteur 112 LZ. Et retrouvez Alpha Bravo Tango. Over. QG, répondu. On est où là? Le pilote m'a dit qu'il voulait vous déposer devant chez vos mères, mais je crois qu'il s'est gouré de chemin. Jamais. Attendez, hein, je vais baisser un peu le son parce que là, je pense que je suis en train de vous tuer tous les oreilles. Vous avez vu le volume du jeu? Avec moi, tu es toujours prêt. Hey, c'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Tu trouves pas que ça sent la mission pourrie? Ouais, tu pars. Sur mon ordre de mission, il y a l'artistage d'entraînement. Alors ça me ferait marrer que ce soit pas ça. J'aime pas beaucoup ça. Vous balancer ici sans aucune info. C'est pas bon. Ouais, monsieur. Moi, je me fous pas mal des ordres de mission. Tant que je peux faire un carton. Contrôlez votre secteur, Ghost 3. Ça se complique ici. J'ai horreur des missions de sauvetage. Je crois que les textes vont être petits, hein. Tu m'étonnes. Sauf quand c'est toi qui viens chercher. Y'a quelqu'un qui voit l'air d'atterrissage? Négatif, Ghost 7. Je note de l'activité là-haut, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Autant Half-Life, j'ai quelques souvenirs. Autant Opposing Force et Blue Shift. 3, 4, 5. 1, 2. Ah oui, c'est les modèles de haute qualité, regardez. Alors attendez, parce que. Ça croupit. Hein. Voilà, moi c'est C, hein. Je suis de l'école C. Ah,
Vous êtes réveillé. Caporal Shepard, n'est-ce pas? Pense à virer le multicœur. Ah bon? Pourquoi? Je suis content de constater que je n'ai pas travaillé. Il n'y a même pas les options, en fait. On ne peut pas en dire autant pour lui, remarquez. Je crains que vous n'ayez été victime d'un accident. La plupart de vos amis ne s'en sont pas tirés. Oh, j'espérais que vous veniez pour nous sortir de là, mais je crois que nous sommes tous dans la même galère, non? J'ai cru voir une radio près du lieu du crash, là où je vous ai trouvé. Vous pourriez peut-être essayer de lancer un appel. À quel doigt j'appuie sur C pour m'accroupir? Celui-là. Alors c'est un poil trop sensible. Le pouce? Non, le pouce c'est pour sauter. Mais ouais, le multicœur, y a même pas l'option. Hein. Tu vois, je vais dans vidéo. Y a même pas l'option. Hein. Non, le pouce, et si jamais je dois appuyer sur D, et ben je décale ma main en fait. Ces créatures en forme de crabe ont une stratégie de parasitage assez stupéfiante, vous ne trouvez pas? Oh, cette espèce est en tout point exceptionnelle. Ces crabes maîtrisent complètement leur système nerveux. Mais quelle sera la prochaine étape de leur mutation? Ah, le HUD est apparu. Alors, vous ne le voyez pas? C'est les petits trucs en vert de l'autre côté de l'écran. Le son du jeu est bas. Bah, le truc, c'est qu'il y avait l'hélico tout à l'heure qui a un peu tué tout le monde. Je peux remonter un poil. Les modèles sont plus détaillés, plus jolis. J'ai rien prévu de mieux. Et mon pied de biche. Mon dieu, la taille de cet ordinateur. Ah, très bien, Shepard. Je vois que refusé. Vous avez trouvé votre armure. Elle vous sera très utile, vous verrez. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait compter que sur nous pour sortir d'ici. Salut, alors, c'est Shepard. Ceci est ma base scientifique préférée de toute la citadelle. J'aurais peut-être dû accepter le boulot de gardien au supermarché. Bonne chance, monsieur! Oh, c'est pas le truc de biche. Alors attendez, je vais juste regarder au niveau. Enregistrement rapide. Oh mon dieu, les textes. C'est pas moi.
Après, alors, si tout se passe bien, normalement, on devrait commencer Half-Life 2 ce soir. Parce que Opposing Force et Blue Shift, c'est du 4-5 heures. Hein. Ils sont tellement détaillés. Tu pars manger, pouf, tu finis. Un vrai repas. Non mais j'avais un reste de pâte que je me suis juste fait réchauffer. Ça suffit, c'est très bien. Ouais, Blue Shift est vraiment... Ouais, et quoi? Bah... Le truc, c'est que si je commence à faire Counter-Strike, genre Condition Zéro, qui est un mode histoire, qui était de mémoire pas mauvais, ça veut dire qu'il faut que je fasse tous les modes avec le moteur d'Half-Life. Donc, Gunman Chronicles, on va jouer au jeu de disque aussi, hein, je me rappelle plus, Ricochet. Ça fait plus bang 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 bang. Je suis très déçu. Oh, on retrouve les vrais bruits de pas. Oh, les vrais bruits de pas de Counter-Strike. Oh, ma jeunesse. Oh, ma jeunesse. Ah oui, ah c'est pas une lampe torche. Oh, adieu vos yeux, je suis désolé. Et là du coup c'est pas un peu fort au niveau de la musique. Peut-être volume MP3 baisser un peu. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce couteau? Abstract, il me semble que oui. Il y a Strat qui est belge. Alors là, techniquement, je passe. Ah merde, c'est électrifié! Putain, le con! Exilouze! Ça a l'air chaud, à mon avis, faudra revenir. Le crabe, il m'a envoyé dans la texture. Le crabe, il m'a bloqué dans la texture en me touchant. Je peux même pas nos clips. Ah si. Ah non, mais même pas, quoi. Ah, faut activer les cheats. Ah oui. Oh là là, ça fait longtemps. Ah.
te lance Monster Hunter World, des conseils. Prends le temps de bien tester les armes, de trouver celle qui a le avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Parce qu'après, quand tu vas choisir une classe d'armes, lors de la première partie, les montées, ça coûte assez cher. Et sois patient. Et tu verras, avec Monster Hunter World, ça va bien se passer. J'ai tellement l'impression qu'il tape pas fort. Oh, je pense qu'il va falloir que je vous prévienne. Attention, les yeux. Parce que ça se voit bien sur la webcam, c'est vrai? Ah oui! C'est vrai que ça se voit sur la webcam. Putain, le flingue qui fait un bruit de calibre beaucoup. Mais parce que c'est le magnum en fait. Ah oui, d'accord, c'est le magnum. De retrouver les éclairages, les tu sais, c'est vraiment le jeu d'époque là. Oula, oula, il y a un autolock ou quoi? Ah, c'est plus la même eau que le 1. Allume le pointeur laser. Comment tu l'enlèves, l'autolock? Comment tu l'enlèves? Tu peux? Option souris. Cible auto. Passer un bon moment. Oh, oh, j'avais oublié cette skin de fusil à pompe. C'est vrai qu'elle était glorieuse aussi.
Oh! Vous l'entendez le fusil à pompe, bien ou bien? Alors, tiens, un Deagle dans la vraie vie, combien ça coûte? C'est une question à la con, mais... Est-ce que les armes à feu, c'est cher? J'en ai aucune foutue idée. Dans les 1000 euros. Ah, quand même, hein. Alors du coup, je demande même pas combien coûte le fusil à pompe, là, le space, machin. Mais ça doit être pire, hein. Attention les oreilles! Desert Eagle a pris 2007. Ah ouais. En fait, le Deagle et le fusil à pompe, là, ça coûte le même prix à peu près. Par contre, c'est une arme de catégorie B. Alors, qu'est-ce que ça change? Attention, voilà. Alors, je m'y connais rien du tout. Je connais rien du tout en arme à feu. Mais merci, Yarko. Empoisonné. Quasi arme de guerre. Ah oui. Merci Boomix pour tes 23 ans de sub. 23 ans, 23 mois. Lalio, à toi aussi. Autorisation la catégorie B. Ah ouais, d'accord, donc c'est pas une petite arme le Desert Eagle. On est dans le gros truc à papa, quoi. Catégorie A, c'est les armes de guerre. Ah ouais, d'accord, on est vraiment juste. Mais pas aux États-Unis. Ça serait très vachement quand même, hein. Oh, oh, puis y a ça qui monte. L'arme de Kéké, elle fait rien correctement en vrai. Il faut un coffre-fort et séparer les munitions constatées par un huissier avec une page avec page blanche sur casier judiciaire. Avec page blanche sur casier judiciaire. Ouais, bah c'est pas plus mal. Mais à mon avis, tu vas au stand de tir avec ton Deagle. Alors déjà, je pense que tu passes pour un kéké. Et puis en plus, tu exploses les cibles, quoi.
c'est juste un truc plus gros. Mais non, pour moi, le Deagle, c'est... Tu tires une balle grande comme ça, ça fait des trous comme ça. Ah ouais, il te laisse même pas rentrer avec un Deagle. Tu rentres du moment que t'es en rêve. Alors s'il y a bien un truc qui m'attire pas dans la vie, c'est genre les armes à feu. Et genre tu m'emmènes sur un stand de tir tiré. Alors ça me... Voilà, c'est pas le truc qui va me faire passer une super après-midi quoi. Ah, le lancer de hache par contre, ouais. Ah, le tir à l'arc, j'en ai fait, j'adore ça. Je suis flèche. Oh, putain, je suis bleu ou rouge? Je crois que je suis rouge. Alors j'en ai fait. Alors j'étais gamin, donc je pouvais pas tirer avec un arc à poulie. Sur Monster Hunter. Non, en vrai. J'adore ça, le tir à l'arc. Mon avant-bras s'en rappelle. Hein. Quand tu tires un peu trop... comme ça. Et que t'as la corde qui fait... Flap. Je peux te dire que tu le fais une fois, après tu mets une protection. Après, t'as des... Tom, t'as des... Enfin, pas des stages, mais... Oh, c'est marrant, t'es dans l'intro. T'es dans l'intro du 1. Ouais, t'as des trucs qui existent pour ça, Tom. Pardon, je regarde la caméra, ça m'a fait délirer de me voir devenir vert. Bah écoute Tom, si tu veux, je te propose un truc. Je vais voir s'il y en a dans le coin et je t'offre ça pour ton anniversaire. Sauf si ça coûte 2000 balles. Dans ce cas-là, c'est Woody. Mais merci, Missel. Je viens de dire que j'aimais pas ça. Oui, mais moi je vais pas tirer. Ah, ça marche pas comme ça. Regardez comment il a l'air beau, le robot là. Avec quelqu'un qui a une arme. Ah, mais on n'a pas d'arme. On n'est pas des terroristes. On n'est pas des dealers de pshit. Moi, la seule arme que j'ai, c'est mon imagination. C'est les mots.
Résolution, framerate, graphisme. Framerate. Prends framerate. Ma seule arme, c'est mon corps. Je suis une arme. À 60 images secondes, les mecs. Les mecs. Bien. La seule arme que j'ai, c'est celle dans le pantalon. Oh, mais non, Tom. Écoute, dès que j'ai un peu de temps, promis, je... D'accord, ton anniversaire, c'est début août. C'est bientôt, là. Et je me vois bien arriver au stand de tir, c'est... Vous avez les armes à déclarer? Ouais, tu sors. Tu sais déjà ce que je vais t'offrir, Misen. Et tu reviens quand? Ça résonne un peu. Aïe, pas dans le poison. Bon, on discutera. Tu me fileras les dates et je vais chercher. Tu voudras venir, Woody? Oh, on va se faire ça entre potes. Entre mecs, hein. Ah ouais, entre mecs. Alors regardez, j'ai une idée. J'ai une idée. Si je pousse ça au bout... que je fais catapulte. Ta femme, elle a fait... Pourquoi? Parce qu'elle veut venir aussi? C'est vrai qu'elle est dangereuse. Oh le bunny, putain j'arrive plus. Ça fait, hein. Donc du coup Woody, faut que je vous compte tous les deux, c'est ça? Du coup elle peut venir que si elle ramène une copine célibataire. Chirurgienne, loft, tout ça comme d'habitude quoi. Peut-être qu'elle m'apprécie pas. Peut-être qu'elle a peur que je casse des amitiés. Tiens, Carotte, regarde. Attends, je vais tuer lui là.
Et Carotte, regarde bien l'écran. Regarde bien, regarde. Attention, là, maintenant. Ah! Il marche, là. Salut Death, ouais, 2 semaines pour se faire de nouvelles amies. Donc ça c'était la fin de la musique. Oh, on trouve le flingue après le deagle, c'est marrant. Super. J'ai pas. Tu machines jamais. Il y a une petite pièce là. C'est du pain de mie. Dans mon lycée, j'étais une vraie star. Si si, c'est vrai. Bah rien du tout Gali. Vu comment il était fait le Twitch Rival Espérer gagner là. T'as eu tellement peur. Eh ouais c'est vrai. Ah essayez l'IG 88. Moi non, mais je connais quelqu'un qui... Je ne sais pas, je n'en avais jamais vu auparavant. Ça va aller, monsieur. Je m'en occupe. Oh, merde, j'ai été touché, mais ça va aller. Ah, oh. Non, je ne vais pas mourir. Ah. Ah, c'était quoi ce strebon, là? Ok, je me calme, c'est bon. Excusez-moi hein, de pouvoir vous faire passer un bon temps, du bon temps et vous amuser. Oh non! Vous êtes avec eux, n'est-ce pas hein? Bloqué dans une texture. Non? Ah, c'est no clip. Ça va être sympa. Oh. Ça, Snakes. C'est vrai. C'est vrai qu'on est, pas loin d'être 600. Merci. T'avais vraiment rien à foutre, celui-là. Ah, tu récupères vite l'armement parce que le jeu est plus court, en fait. Un discours pour un mariage. C'est parce que c'est le témoin, c'est ça?
On n'aurait jamais cru qu'il aurait pu trouver quelqu'un, surtout après son opération de changement de sexe. Et puis surtout, devoir cacher qu'elle était mineure à sa famille. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est le classique, quoi. Cooper, vous me recevez? On évacue la base. Je répète, on évacue la base. L'Air Force va bombarder le site. Alors dégagez de là. Oubliez Freeman, de toute façon, il ne survivra pas au bombardement. Cooper, vous m'entendez? Salut Silug, joli. Attention caporal! Oh pardon. Ah, je suis caporal. Bravo Shepard! Vous avez réussi! Je suppose que vous n'avez pas trouvé Freeman! Où est ce foutu Freeman? Il n'y a plus une minute à perdre! Freeman, vous êtes n'importe où! Vous devez me prendre! Je ne peux pas partir tant que vous me... Alors tu vois Totor, cette emote en tout petit, j'ai l'impression de voir le front d'Anagund. Il l'a buté? Ah ouais. Ma mission consiste à rester ici, monsieur. Et caporal, c'est une bonne situation? Pas vraiment, mais si, un tout petit peu. Caporal, c'est cool. Oh là là. Oh là là, le bruit des armes. Vous voulez savoir ce qui est vraiment sympa, c'est le HUD vert quant à ça. Alors, est-ce que vous la voyez la croix pour viser? On peut changer la crosshair? En souris? Eh ben non. Non mais la croix est minuscule. Le bruit des armes est beaucoup trop fort. Les transitions musicales, ouais, hein, c'est, elles sont un peu brutes. Alors, tu m'as dit CL
Non, c'était pas CL. Cross share size, c'est L cross. Non, il n'y a pas de CL cross share. De cas, j'ai pas activé le ray tracing. Ça va devenir la vanne à chaque fois qu'un mec va jouer à du rétro PC. Si, parce que j'ai une 2080. En fait, c'est, dans ce jeu, c'est les sprites les prochains. Ah ouais. Bon, bah, tant pis, on fera avec, hein. Alors là, faut bien viser, je crois, c'est ça. En 3 frames par seconde. Ouah, c'était un infecté mais bizarre. Ah, la visée nocturne, oui, je suis désolé, elle va. Préparez-vous, hein. Elle va vous rendre un peu aveugle. Et à quand le marathon Vagrant Story? Attention les yeux! Le seul souci de... Ouais, ils sont en train de terraformer pour faire Xen. Le seul souci de Amalur, Lyrian, c'est que genre il y a 6 mois je l'ai relancé et je me suis rendu compte que je me rappelais de toute l'histoire du jeu. Qui m'a marqué et que je l'ai trouvé bien.
Xénaformé, oui. Je tente de relancer souvent, mais je me souviens toujours du jeu. Bah ouais. En plus, ouais, c'est un jeu qui. Que je dise pas de conneries, il a un peu été effacé parce qu'il est sorti en même temps que Skyrim, je crois. Attention les yeux! Ok. Le client de Half-Life 1 Deathmatch Source est gratos, toujours dispo. Donc je pense que ouais. Je suis sûr qu'il doit y avoir des. Je me rappelais plus qu'il ajoutait de nouveaux ennemis. C'est assez cool, Amel. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Bon, en fin de marathon, on se fait du Half-Life 1 Deathmatch. Bon, non, mais ça va faire comme Max Payne 3, on va être. Non mais arrête tout de suite ta série Netflix et va regarder Saint Seiya. Respecte-toi. Je ne sais pas ce qui est pire. Vous qui avez pour ordre de nettoyer plus complète, c'est extraterrestre. Ouais, si je dois nettoyer le complexe, je devrais le tuer, quoi. Lol. Il y avait une entrée là. Je peux pas le tuer. Oh mais non, il a rien fait.
Ils n'ont pas fait exprès d'ouvrir une brèche. Par contre, chez Valve, faut vraiment que j'ai une discussion avec eux sur la physique de l'eau. Ça marche pas comme ça, l'eau. Entre Aim Reward et Heaven's Sword, t'as juste envie de te suicider. Ah, c'est le pire moment. Ok, donc il n'y a plus d'électricité. J'entends toujours des étincelles. Mais du coup, ça a servi à quoi ? Ah, maintenant je peux reprendre la corde. Puisqu'elle est plus électrifiée. Voilà. Sur Netflix, je me suis relancé dans Gurren Lagann, hein, sinon. Ah oui, juste pour ça. Ah non, attends, je peux me battre. Pareil que c'est bien, Gurren Lagann. Pas aimé. Qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois
tous les goûts sont dans la nature et la mer d'Alcien, enfin un truc comme ça. Chacun ses... Non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de la phrase. Maintenant tu prends ça. Putain mais meilleur ami pour la vie la caisse hein. Mais c'est le moment de sa vie hein. Ouais, j'avais que 30 HP. Hé, ça fait plaisir de vous voir. Je me suis caché dès le début des combats. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul survivant là-haut. On a combien de VOD? Une heure. Encore une heure pour un café. Oh là là. Il est bloqué. À plus tard, Kikino. Moi à tirer.
tête et on m'envoie ici. Unité au rapport. Zone sécurisée, monsieur. Sécurisée, ouais. Rien qui s'ouvre, on sent. Caporal Shepard, ils nous ont laissé nous aussi. Nous oh. sommes juste à côté de vous. Éloignez-vous de la porte, nous allons la faire sauter. Bonjour, monsieur. J'ai comme l'impression que quelqu'un a encore déconné et que nos gradés ont vu large. Oubliez Freeman et plantez vos fesses. Vous venez avec nous, caporal? Vous avez vu les soldats de ma section? Vous pouvez compter sur moi, monsieur. On sort d'ici. Pas comme ça qu'on tient un fusil à pompe, hein, au passage. Hein. Ah, si. J'ai cru qu'il avait les deux mains ensemble. Reconnaissant son rapport. Vous avez vu les soldats de ma section? Reculez, caporal! C'est pour 10 minutes. Quel homme! Le camp d'entraînement, c'était les vacances à côté. On sera plus efficace. Mission de routine, hein? Hein? Il veut pas, il veut pas. Hein. C'est un bijoutage, non? Bah ouais, tu joues le mec d'en face. La visée un peu compliquée avec la mire pour nous. Freeman.
Pour te dire à quel point c'est des branques, hein. Moment de fatigue de sieste qui arrive, donc je vais faire une sieste, je reviens dans 3 heures. Voilà, vous avez tout compris, hein. D'en avoir d'autres. Mayday, Mayday, vous m'entendez? Ici Tango Charlie 409. Nous sommes attaqués, je répète, nous sommes attaqués. Les Black Ops ont pénétré dans la base et ont ouvert le feu sur nous. Nous avons besoin de renforts immédiatement. Over. Oops. Ouais, je sais pas quoi, mais 409. Unité au rapport. Ça fait du bien de revoir un uniforme. Il faut absolument qu'on parvienne jusqu'au point d'évacuation, près du secteur lambda. On réussira peut-être à choper Priman au passage. On devrait pouvoir y arriver par le réseau de transport. Mais pour ça, faudrait déjà ouvrir cette porte. Si seulement on pouvait mettre la main sur un ingénieur. Faut que je nourrisse mes clébards. Oh salut, ça fait du bien. Et puis voilà qu'on va ça. C'est fermé. Pourquoi on nous envoie toujours lorsque l'armée régulière est débordée? Je sais pas. Je suis là pour livrer mon colis. Moi, c'est tout. Bah, c'est opposing force. Non, j'aurais fait plus chier en premier. Il a reçu son écran. Ah,
Ok. Ah, de buter le livreur chronopost. Ils sont pas bien comme ça, les livreurs chronopost, voyons. D'ailleurs, elle en est où, ma livraison? Elle en est où? Vos commandes. Le colis a été laissé dans la boîte aux lettres. Putain, il me casse les. Half-Life. Ils m'ont envoyé 3 mails, 2 SMS pour me dire soyez bien là, le colis aura besoin d'une signature. Et finalement, ils le déposent dans ma boîte aux lettres. Caporal, je vais pas m'en tirer. Alors que je prends les soins sous ses yeux. Non, bah d'ici une petite heure, quand tu auras 2 heures de VOD. Mais il doit pas me suivre normalement, parce qu'on a besoin d'un ingénieur, mais l'ingénieur c'est lui. Faut aller chercher le médecin. Oui. Logique. Je vous suis. T'as reçu un avis de passage qui date de 2 jours. La base. T'inquiète pas, soldat. Je vais arranger ça. Et ouais, visiblement, il va le recevoir que lundi, son écran. Ça, ça veut clairement dire que... Il y a encore un mec qui a shooté dedans. Hein. C'est... On y va, caporal! À vos ordres, monsieur. J'avais plus qu'à moi à tirer, et on m'envoie ici. On fait quoi du serrurier, Shepard? T'as reçu tes t-shirts SGLQ du 9 alors qu'ils sont censés les faire imprimer en août. J'ai comme un... Parfois, vu le traitement que faisaient certains de mes collègues sur les colis, c'est assez déplorable. Ah ouais, non, mais... C'est des fois, je les vois, moi, c'est juste en bas de chez moi, dans le camion, hein. Les mecs, ils te shootent dedans, ils les dégagent avec le pied, enfin, c'est... Voilà. Merci, Evenful, pour le host. Ça me fait plaisir, caporal. C'est quoi, cette histoire? On nous a jamais parlé de mission secrète? Enfin, on est tous du même côté, hein, les gars. Je sais pas en quoi consiste leur mission, mais on a autre chose à foutre. J'espère qu'on va trouver un véhicule sur ces rails. Avez-vous la moindre idée de qui dirige cette opération? Ok, bien compris.
Je vous couvre, caporal. Affirmatif, monsieur. Non, il est pas dispo en mode source. Bouge. Sécurisé, monsieur. Il me reste 3 HP, c'est bien ça. La construction est vraiment identique, hein. C'est fou. Hein. C'est, les égouts, puis les trains, puis le... c'est vraiment Half-Life version accélérée. Hein. Sur les rails. Ah, les colis, c'est. Ouais, même pour les entreprises, je vois ça. Hein. Parce que tu savais le nombre de colis que j'ai perdu, que d'éditeurs m'ont envoyé. Enfin, c'est aberrant, quoi. Vous pouvez voir hein, si votre colis a été checké par un livreur, vous remarquez toujours un coin un peu abîmé ou quoi que ce soit. C'est juste que le mec il a fait ça, il a essayé de voir ce qui était dedans et basta. Et ça, tu l'as sur un colis sur deux que tu reçois, voire plus. C'est un bizutage, non? Ça avait pas l'air d'être la plus brillante à l'académie, elle. Hein. Enfin bon, je pense que aujourd'hui, tout le monde a des problèmes avec les colis. Tout le monde a déjà eu des problèmes avec les colis. Tout le monde. Ça se présente plutôt mal.
Ok, bien compris. Si je ferai un jour du Mario Maker 2, j'en ai déjà fait, Eldart, j'en referai. J'ai même trouvé un système pour que vous puissiez mettre vous-même vos niveaux dans une liste et qu'il y ait en haut du stream un bandeau avec les stats du niveau que je suis en train de faire. Faut que je nourrisse mes clébards. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Mais oui, c'est prévu. Je suis allé pour les latter. Moi, ouais, les problèmes que j'ai eu avec Amazon, c'est que bah, j'ai pas reçu le bon produit, quoi. Je suis pas un pro des opérations clandestines. C'est bon, parce qu'ils envoient l'armée pour nettoyer et ils envoient l'armée secrète pour nettoyer l'armée. Mais c'est un poil le son du jeu. Je peux. Hop. J'avais plus qu'à moi à tirer et on m'envoie ici. Reconnaissance au rapport. Tu tapes une fois sur deux les frais de port, les frais de douane, tu veux dire. Après, maintenant, t'as des trucs qui ont compris et tu peux payer avec les frais de douane. Les frais de douane directement inclus. On se calme, les gars. Le camp d'entraînement, c'était les vacances à côté. Enfin, allez pas trop loin, les gars, quand même. Hein. Restez. Les frais de douane, normalement, c'est fixe. Hein. T'as les frais de dossier et derrière, ça peut aller jusqu'à un tiers de la valeur de l'objet. Rappelez-vous de mon écran, hein. Que le mec m'a tendu alors qu'il avait mis un coup de cutter dedans, et que le mec m'a tendu du côté où le carton était pas abîmé, et le temps que je ressorte, le mec il s'était barré à toute vitesse. Enfin, on a. Je dis, aujourd'hui, on a tous eu des problèmes avec les transporteurs.
Ça y est, allez-y. Maintenant! Dépêchez-vous, Prima, je ne peux pas le garder ouvert très longtemps. Ah bah on est déjà là? Ah oui, genre, on l'est déjà, il va sur Xen. Ah merde! Fallait pas être là. D'accord, je suis déjà sur Xen. Vache, ça va vite, non? Mais on l'a commencé il y a une heure et demie. Carter. C'est un peu difficile, mais ça se révélera très pratique. C'est moi ou ça vient de me taper dans la... dans la zone d'entraînement. C'est normal que j'arrive là, hein. Bizarre que même les menus fassent de l'écho quand même. Dans une zone pour trouver des munitions. Ah! C'est vrai?
D'accord, c'était juste un passage. C'était juste un passage sur Xen. D'accord, je vais pas, je suis pas à la fin, quoi. Non, on doit même pas être à la moitié là. Change de voix. Faut que t'arrêtes avec ces emotes de Ken, Alexandre. Une erreur de cette importance est très importante. Je l'aimais beaucoup trop en boucle. L'administrateur ne voulait rien de vous et moi, on fait une équipe du tonnerre. Oui, je me rappelle. J'espère que ceux du labo Lambda parviendront à garder ça sous contrôle. Ça. Bah c'est les conduites d'eau. Cette brèche, allons-y. Putain, Dragon Ball Evolution. Pour le viseur, je vais coller une gommette sur mon écran. Hein. Attention les yeux! Thank you.
un réticule. Si tu regardes bien les au centre, t'as 5 points verts. Si tu veux le voir, regarde, il est sur le point rouge. Princesse Jasmine. Dans Aladdin. Oui, c'est Hélène. C'est Jasmine, c'est Aladdin. Avec le mur. We play each game of the series in French. Il a totalement fusionné avec le mur. Hein. Donc après Gurren Lagann, hein, après le glorieux Gurren Lagann, je vais me regarder le prince de Bel Air dans les transports en commun. Après Blue Shift, ouais, après Half-Life 2. Yippee-ki-yay, motherfucker. Merci Guaches. J'ai pas la technique du pied de biche dans celui-là. Ah, peut-être que j'aurais dû prendre le couteau. Merci Guaches pour tes 33 mois de sub. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi ou son arme? Son arme m'a sauté à la gueule. Bien sûr que j'ai regardé Kill la Kill. Je suis un nudiste bitch dans l'âme. Mako. Mako? Ouais. Mako, best perso ever. Thank you.
changeait pas le truc de saut. Oula. Non. T'as jamais vu Kill la Kill, c'est le machin avec des nanas en maillot de bain, underboots, tout ça. Oui. Faut pas chercher midi à 14h, oui. C'est un personnage où les jeunes filles sont très dénudées. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils en sont conscients et ils en... si tu veux, l'héroïne en est consciente, quoi. Moi, ça me fait rire. Le stream Nudist Beach pour soutenir les assos nudistes. Je vais me faire ban de Twitch. En plus, Kill la Kill, ça a été enlevé de... Netflix. Et si vous jouez, ou si vous comptez jouer au jeu Kill la Kill, veillez à avoir d'abord regardé l'animé jusqu'à l'épisode 4 ou 8, ils m'ont dit. Enfin, regardez la série avant, parce que c'est un... C'est Kill la Kill if... dans le vent. Je sais pas qu'on se barre mieux en brassière. Mais ça a été créé pour les cosplays. Oh, cette drama queen pour mourir. C'était gratos. C'est dégueulasse. Surtout les cosplays masculins. Ah oui, j'en ai déjà vu aussi. Faire une série de live action sur Warhammer 40k. Pourquoi pas.
Bon, déjà, j'ai été bien rassuré par Witcher. Visuellement, ça peut grave le faire. Un problème avec Geralt? Bon, ça va. Question normale, une seule épée. Si je dis pas de bêtises. Vu que ça retrace les nouvelles avant, c'est pas justement là où il va chercher son. La deuxième est sur Ablett. Oui, c'est vrai qu'il les a sur... Un grand moment, cette échelle. Incroyable. De l'eau, hein. Faire un petit tour, oui, bah, faudrait. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va traiter des nouvelles de Witcher. Donc en termes de timeline, c'est un peu éparpillé. Je suis vraiment étonné que la petite extension là te propose des nouveaux ennemis, des nouvelles armes. Oui,
Oui, mais c'est ça montrait pas forcément les trucs du premier épisode. C'est, ça se trouve... Ça se trouve, ils vont adapter la saga du sorceleur aussi. Et elle régène la ville, oh. Ah ouais. Hein. En fait, pour Frankerface Zee, vers nos subtilités, il suffit d'installer l'extension Chrome, Firefox, selon ce qu'on utilise. Ouais. Ok. Tellement zéro souvenir. Ah, Walter, nous sommes enfin parvenus à détacher un de ces crustacés. Jusqu'à présent, nous n'avons pu que le contraindre à se fixer sur une matière organique. J'ai malheureusement dû me rendre ce matin au laboratoire des matériaux anormaux, au sujet d'une expérience de la plus haute importance. Je n'ai donc pu poursuivre mes analyses. Occupez-vous donc du spécimen 1176, et n'oubliez pas de me faire un rapport détaillé sur tout ce que vous trouverez. Ok. Ah, Walter, nous sommes enfin parvenus à détacher un de ces... Jusqu'à présent, ah ouais, nous n'avons plus que le contrôle de se fixer sur une matière organique. J'ai dû me rendre ce matin au laboratoire des matériaux anormaux, au sujet d'une expérience de... Je n'ai donc plus pour toutes mes analyses. Ah bah de rien, amuse-toi bien avec. Par contre, oui, elles sont disponibles qu'ici. Hein. Oh, c'est l'arme fou dégueu quand même. Hein. Mais ils se sont bien lâchés hein, sur les armes. J'ai voulu tenter un truc. Mmh.
très bien ce qu'il demande de faire, non? Ça bloque là. Il y a de la réverb de partout. Hein. La fin du matin, ouais, avec l'alignement des planètes qui débouchera une annonce spéciale de Valve. Parce qu'ils sont sur le chat. Mais si vraiment ça arrive, les gens ils vont plus jamais croire quand je dis que je fais pas exprès. D'ailleurs, la VOD, elle est à combien? 2h06. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure du café. Donc, petite sauvegarde, petite pause de 5 minutes. On va se dégourdir les jambes. Je vais me faire un café. Et oui, vous pouvez préparer votre goûter parce que c'est vrai qu'il est déjà 4h. Voilà. Allez, petite pause. Je reviens tout de suite.